Non mais là on va s'arrêter là, ça part trop loin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser l'œuvre d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire. Alors c'est parti! Avant de commencer les choses sérieuses, nous allons présenter l'auteur. Emmanuel Carrère, donc qui est l'auteur, est un écrivain français né le 9 décembre 1957 à Paris. Il est aussi scénariste et réalisateur, et il a reçu un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Ayant des grands-parents maternels immigrés géorgiens, il est le fils de Louis Carrère et de la soviétologue et académicienne Hélène Carrère. Frère de Nathalie Carrère et de Mariana Carrère, Emmanuel est le partenaire de la journaliste Hélène Devinck. Il a écrit de nombreuses œuvres comme La Moustache en 1986 qui a été adapté au cinéma par lui-même en 2005 ou encore Le Royaume en 2014. Et en janvier 1993, l'auteur entreprend l'écriture d'un livre autour de l'affaire scandaleuse de Jean-Claude Roman, qui ne sera publié que 7 ans plus tard sous le nom de L'Adversaire, donc le livre que nous étudions aujourd'hui. Donc on peut citer aussi une série TV qu'a créée Emmanuel Carrère, qui est Les Revenants en 2012. Maintenant, intéressons-nous plus proprement à l'ouvrage. Donc ici, nous sommes en présence de L'Adversaire, un roman paru en 2000. Il a la particularité d'avoir comme narrateur l'auteur qui raconte son échange qu'il entretient avec Jean-Claude Roman, ainsi que son jument en tribunal. En effet, Emmanuel Carrère raconte sa grande difficulté à trouver sa place dans le récit. Il a essayé à plusieurs reprises d'écrire ce récit sous forme de roman, en faisant parler l'assassin à la première personne, ou encore en racontant l'histoire du point de vue des amis de Jean-Claude, avec l'intervention des protagonistes de l'histoire. Toutes ces tentatives n'ont été vaines. Finalement, c'est en narrant sa propre expérience qu'il trouve enfin le moyen d'écrire ce livre, mélangeant à la fois fiction et non-fiction. Depuis cette œuvre, Emmanuel ne fait qu'écrire qu'à la première personne. L'Adversaire d'Emmanuel Carrère raconte l'histoire de Jean-Claude Roman, qui a tout pour être heureux. Il a une femme qu'il aime, deux enfants magnifiques et beaux, une bande d'amis, une maîtresse idéale, ainsi qu'un travail génial. Seul problème, c'est que c'est un imposteur et à la fois un menteur. Escroquant ses proches en leur volant de l'argent et en leur mentant, il en viendra à tuer sa femme, ses deux enfants et ses propres parents par peur qu'ils découvrent la vérité. Le samedi 9 janvier 1993, Emmanuel Carrère tente de nous raconter cette histoire vraie à travers le procès de la victime sournoise. Au fil de l'histoire, il y aura différents thèmes qui seront abordés. D'abord, il y a un thème qui peut nous sauter aux yeux dès le début de l'histoire, c'est que ce roman raconte une histoire vraie. En effet, c'est l'histoire de Jean-Claude Roman qui a assassiné ses proches et qui va vivre son jugement à travers les yeux d'Emmanuel Carrère. Donc c'est pour cela que c'est l'un des thèmes principaux de cette histoire. En plus de ce thème, il y a l'assassinat, qui est un thème omniprésent dans l'œuvre. En effet, comme je l'ai dit précédemment, Jean-Claude va assassiner sa famille. De plus, on a un autre thème qui est important, c'est le mensonge. En effet, Jean-Claude ne va faire que mentir, il va multiplier les mensonges, et c'est pour cela qu'il va arriver à cet acte barbare en tuant ainsi toute sa famille. Et enfin, l'un des thèmes importants, ça va être le jugement. En effet, c'est grâce au jugement qu'on va vivre la majorité de l'histoire, c'est en quelque sorte le fil rouge de celle-ci, et c'est ce qui va nous permettre de faire enchaîner les actions, découvrir pourquoi Jean-Claude a menti à ses familles, pourquoi a-t-il fait telle ou telle chose. Et c'est grâce à ce jugement, ce tribunal, que l'on comprendra les actions de Jean-Claude et que nous arriverons
à cette fin tragique. Maintenant, nous allons nous intéresser aux personnages présents dans le roman d'Emmanuel Carrère. Donc nous allons commencer avec l'un qui me semble des plus importants. Donc Jean-Claude Roman, donc c'est un imposteur et menteur depuis 18 ans. Et il a assassiné sa femme, ses deux enfants, Caroline et Antoine, ses parents Aimé et Anne-Marie Roman, ainsi que leur chien. Donc il prétendait être médecin à l'OMS, il escroque ses proches en leur faisant croire qu'ils placent leur argent en Suisse, alors qu'il alimente son propre compte personnel. Lorsqu'il a tué toute sa famille, il tente de se suicider pour échapper à son passé, mais il ne fera que tomber dans le coma. Il entretiendra aussi une liaison amoureuse avec Corinne Hourtin, et il essayera de s'en débarrasser à son tour pour ne pas lui rendre l'argent qu'il lui devait. Durant son jugement et en prison, il sera tout le temps en communication avec l'auteur du roman, Emmanuel Carrère, et il trouvera la voie de la rédemption dans la religion en prison. Donc après, il y a un personnage qui intervient dans cette histoire, donc qui est assez spécial, on pourrait dire, dans ce roman, donc c'est l'auteur lui-même, puisqu'il va être auteur et narrateur de ce livre. Il va écrire en quelque sorte la biographie du meurtrier, de son enfance à son jugement au tribunal. Il est très intrigué par cette histoire, il va faire de nombreux échanges de lettres avec Jean-Claude, et c'est ce qui va pousser à Emmanuel Carrère d'écrire son livre, et c'est de cette façon qu'il trouvera ainsi tout son contenu. Donc Florence Roman aussi, là, qui est la femme de Jean-Claude, c'est l'un des personnages aussi clés de cette histoire. Elle est pharmacienne, elle soutiendra son mari toute sa vie, même dans les moments les plus difficiles, et jusqu'à qu'elle se fasse trahir par Jean-Claude lorsque celui-ci va le tuer à coups de rouleau pâtissier. Donc après, comme j'ai dit précédemment, Jean-Claude avait une maîtresse, Corinne Hourtin, donc c'était l'ex-femme de Rémy Hourtin. C'est une femme parisienne, instable en relation amoureuse, et elle sera la seule survivante à la série de meurtres de Jean-Claude, qui tentera vainement de la tuer en l'étranglant, et avec une bombe lacrymogène. Donc après, les parents de Jean-Claude, aussi des personnages importants, Aimé et Anne-Marie Roman, qui sont fiers de leur fils, ils sont bûcherons, et vivent modestement dans le Jura jusqu'à que la mort vienne les chercher. Après, les enfants de Jean-Claude, donc Caroline et Antoine, et qui aiment beaucoup leurs parents, et ils seront assassinés à la carabine par leur géniteur. Et enfin, il y a Luc et Cécile l'Admiral, donc ce sont des personnages qui sont importants dans cette histoire puisque ce sont des amis proches de la famille Roman en Suisse. Ils seront fortement choqués lorsqu'ils apprendront le massacre de la famille. Donc il faut savoir que l'œuvre d'Emmanuel Carrère, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, autant dans les thèmes abordés que dans l'époque où ça se situait, donc en fin de 20e. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Il y a certains points que je n'ai pas apprécié, notamment les flashbacks, lorsque l'auteur alternait entre le présent et le passé, ou encore du changement brusque de point de vue entre Luc et l'auteur. Ça m'a un peu déstabilisé. Mais c'était un livre assez intéressant que j'ai beaucoup aimé et que je recommande fortement. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette analyse vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude. Oui.